C'est Noël, et les McAllister partent en vacances. Mais il y a eu un petit oubli. J'ai un mauvais pressentiment. Le chien, tu l'as bien abandonné? Oui, dans la forêt. Oui. Et le chat? Pareil, oui. On aurait oublié d'abandonner quelque chose, ou... Kevin! Home Alone. Le vrai matériel, hein. Oui, donc oui. Voilà, Super Game Boy 2 qui vient du Japon, console japonaise Super Famicom et Home Alone, donc version américaine. C'est parti pour Home Alone. Donc, petite simulation, le son est trop fort déjà. Le son est vraiment dégueulasse. D'entrer dans la maison. Home Alone. Alors, on reconnaît John Williams, hein, le compositeur de Star Wars, mais vaguement, quoi. On va baisser encore un peu le son. Voilà, alors c'est parti. 1991, donc c'est l'époque de l'Égypte antique. Voilà, les premiers graphismes. J'entends un trépied qui tombe derrière. Et sur start. Non. Voilà. Ah, c'est bien d'être là, de machin. Ah, c'est moi. Eh ouais, ça vous ressemble vachement. On va parler des dialogues, en fait. Ouais. Est-ce qu'on est prêt? Mais oui, on est prêt. Ready, boy. Ouais, d'accord. Il a tout préparé. Et le mioche, est-ce qu'il est seul à la maison? Attention, avec tes pas pieds dégueux, tu es en train de toucher notre station de jeu. Ouais, des bijoux, des cassettes VHS, ah oui, wow. Effectivement, là. On sent que c'est récent. Je suis surtout là pour ouvrir les robinets, donc. Ouais. Et l'or, et les bijoux, et l'argent. Ouais, ok. Oui, Enos, allez. Let's do it. En fait, tout le développement du jeu, c'est ça. Ah, mais là, c'est le gosse. Là. Ah, il y a une montre à ramasser, la saute. Oh, ah, tu veux pas rebondir sur le lit là. Alors, t'as un pistolet quand même déjà. Je sais pas. Alors, ah, c'est sûrement le deuxième bouton, le Y. Ah, quoique, si c'est en version japonaise, ce sera peut-être le A. Mais du coup, on est le gamin et on vole notre propre menu. T'as appuyé sur A là? Non, j'ai pas appuyé sur A là, non. Ah, c'est bon, c'est B pour tirer. D'accord. Ah merde. Y, ça tire aussi. On doit voler notre propre maison, c'est ça le but du jeu. Est-ce que t'arrives à sortir par la porte avec la flèche du haut? Ah ouais, alors graphiquement c'est très léger. J'ai une touche pour changer d'arme, mais putain j'ai gagné du score, je me suis volé moi-même. Alors peut-être que tu vas devoir utiliser... Tire! Oh putain. C'est quel méchant celui-là? La boule de bowling, ouais. Mais tourne, saute sur la chaise. Il a pas réussi à sauter deux fois de suite. Saute! Saute pas! Pourquoi t'arrives pas? T'appuies sur quoi? Je suis trompé de touche! Allez, pousse la boule, vas-y! Ah, il s'est enfui! Bon bah. Non, y'a rien à récupérer. Y'a pas sûrement là. Ah, y'a des bijoux, des machins là. Vas-y, vole tout! T'es chez toi, c'est pas grave. Oh putain! Ah là, d'accord, t'as jeté les trucs à l'intérieur. Faut que je les vole avant eux! Ah oui, mais ne touche pas! Ah ben, je pensais qu'on pouvait. T'as perdu un point de vie. Je pensais qu'on pouvait l'arrêter en tirant dessus. Non. Il se passe des trucs, pourrait-on perdre des points de vie ou. Oui, mais attention parce que je suis pas prêt encore. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je dois faire. Je vais préparer un petit peu le matériel. Et putain, mais c'est le même, il est partout. Ouais, il est partout. Je suis partout. Ah non, le pognon. Putain, il te l'a piqué. Le pognon, il m'a pris. Il te l'a piqué. Ah, reculé. Il ne change plus qu'un PV là, fais gaffe. Et ça va être la même musique du début à la fin parce que ça va être pénible là. Ah donc t'as baissé le son. Mais attention parce que c'est un jeu où on pose des pièges. Oui. On peut être trop fort. Un méchant, encore le même. Allez, vas-y, lance les pièges. Attends, il s'est pas fait toucher là. Plus qu'un point de vie. Ah, c'est compliqué comme jeu. Ah, t'as ouvert un peu la porte derrière, non? Ouais, mais y'a plus rien dedans. Ah, d'accord. En fait, je sais pas comment faire pour le passer, il faut peut-être que je saute.
T'as pas le bouton select là, ça fait rien? Ah, ça change d'arme. Ah, j'ai un lance-pierre. Pistolet lance-pierre, ok. Oh, ça va plus loin ça. Ouais, mais ça fait. Rien de spécial. Fais gaffe, t'as plus de munitions quasiment. C'est une pause banane. Ouais, ouais, laisse-le venir vers toi, laisse-le venir vers toi, marcher sur la banane, toi. Fais gaffe, t'as plus que 4 munitions, on les tire pas. Je me t'y bagne. Tu peux pas changer d'arme et à nouveau encore. Ouais, je peux. Select. Bien. Ah, mais j'ai. Ah, c'est infini. Ouais, munitions infinies, ouais. Il va peut-être venir après. Ah, ouais, attention, attention, putain, ça fait peur. Je le tourne, mais il veut pas. Hein. Non, bah tant pis alors. Mais pourquoi il a une moustache Ouais, je sais pas. C'est peut-être l'ombre de son nez. Hein. Des Comanchello. Alors, est-ce que t'arrives à changer d'étage et à te balader correctement dans cette maison? Bah, il faudrait que j'arrive à passer le premier cambrioleur, n'est-ce pas? Tu peux essayer. Tu peux pas sauter. Ah, Oh non! Attention! J'ai tenté. Ah yeah. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un piège qui s'est déclenché. Pareil, ça, il m'a trouvé l'astuce, c'est tout. Hein. Ah, oh, c'est beau. Là, ça ressemble vraiment à de la Game Boy. Ça donne envie de vomir. Merveilleux. Alors, et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, merde. Il faut vraiment lâcher ça. Hop. Hop. On va pouvoir dessiner un petit peu. Hop. Ah, merveilleux. Ah, il parle de pizza. Pizza. Dessiner avec une croix multidirectionnelle. Il n'y a rien de plus précis. Ah ouais, t'as réussi à aller à un endroit où il n'y avait pas... Ouais, ça me gêne. Ah, je sais. Je suis là pour empêcher le gamin de réussir. Ah, putain, merde, j'ai appuyé sur quoi? Oh, oh. Ouh. Ah, je peux switcher entre les deux couleurs. Ah, t'as de la chance, quoi. Ah, mais si, je peux dessiner, mais que autour. Ne prête pas attention. T'as un collier, là. Hop là, le petit collier. Je vais dessiner une très belle femme. Hop là, pizza. On sait pas à quoi ça sert, mais ça fait toujours du bien. Oh! Tout une thune, thune. Ils sont friqués, ça part encore. Oh la vache! Ah, on peut pas y aller là. Une très belle femme avec plein de rouge à lèvres. Merveilleux. Et puis, ce qui permet de sauter quelque chose, je sais pas. Oh! Ah! Si tu vas sur la chaise et que tu ressautes ensuite sur le tiroir. Ah ouais, mais faut... Oh là là. Oh. Ouais, il s'en va en fait. Et si tu sautes et que tu essaies de l'ouvrir en même temps. Il me demande. Oh, oh la vache. Facile, ah, ouais, ouais, forcément le gamin il saute et il ouvre le tiroir en même temps, logique quoi. Vous êtes très inventif, tu grimpes sur l'armoire. Ouais, 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 ouais. Wow. Attends, je vais dessiner une très belle femme dans le style Picasso. Ah merde. On se contente sur l'essentiel, hein, une bouche. Oh là, des escaliers. Fais gaffe. Ça pue. C'est un escalier qui descend vers la cave. Ouais, mais il ne voit pas de marche. Allez. Ah, essaye quand même, je dirais. T'inquiète, tu cours toujours tout droit et tu sautes. Et ça va bien se passer. Ouais, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va lui mettre quelques poils quand même à cette place, demoiselle. Merveilleux, n'est-ce pas? Ah, mais elle a pas assez de fesses. Il faut trouver le pied de biche, hein, c'est pas le choix. Oh, oh là là, il était baraque, ouais. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas un personnage du film, ça. Non, c'était Bruce Willis. Ah bah c'était sûr que t'allais dessiner ça, quoi. C'est évident, mes chers amis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je dessine un peu ça, ou ça nous va glisser dessus? Ah, non, voilà. Pourquoi t'as choisi? Ah voilà, je suis mort. Circoncis. Ah voilà. J'ai marché sur une plante. Ah, tu es mort avec une plante. Voilà, next. Allez, vas-y, reprends. Tu es le professeur. Hein. Vas-y. Ça joue pas. Bon. Soit. Ouais, moi, je préfère dessiner. Ouais, préfère dessiner. Ah, regarde, on a 20 projectiles. Ouais. Très mature, professeur. Hein. Tout à fait. Ah! Ah, bah, continue vers la gauche. Non, ah, il te suit. Ah, non, pas vers la gauche. Mais si, il continue vers la gauche. Putain, mais... Ah, t'as zéro vie en plus. Un petit coffre à droite, là. Ouais, tu pourras rien faire avec ton machin, là.
Ça pue là. Le pistolet. Je pense que ça pue. Ah, saute avec le coffre. Je pense que ça pue là. Ça pue, hein, le professeur, ça pue là. Ouais. Attends, parce que j'ai plus. Ah, mon... ok, game over. J'ai plus mon matériel. C'est pour ça que le truc était. Le score était sauvegardé en fait. Alors. T'as un nombre de vies, mais t'as 3 essais. Ouais. Il s'est fait empaler là, regardez. Une chiasse, comme ce jeu. Ah, la télé. Allez, vas-y, ouvre-toi, télé. Wow. Il ouais, y a beaucoup de choses à la télé, là. Ouais. Trésor. Ah, il y a la diarrhée, regardez. Ah là là, il chie partout. Bah, c'est cool, parce qu'on a gagné, quoi. Ouais. C'est pour ça. Voilà. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas été trop perturbé par les événements scatologiques qui ont lieu à proximité de la zone d'interaction? J'essaie de rester concentré sur le jeu, si j'ose dire, plutôt que d'être dans le... dans ce qu'il y a autour, si je veux dire. D'accord. Il a fait ce qu'il a de mieux à faire, perdre. En marchant sur une plante. La police recherche 2 cambrioleurs qui errent dans les quartiers. Ils se font appeler les plombiers puants. On sait que t'es à l'intérieur. C'est Luigi, le plombier. Et son frère Mario. C'est ma maison. Je dois la défendre. Regardez devant toi, face de paix. Derrière toi, tête de gland. Les gars, vous abandonnez ou vous en voulez encore? Offrez Home Alone, le meilleur film de Noël de tous les temps. Je vous préviens, j'ai la gastro.